business spam, boss. Ça c'est business spam, ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est business spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita palais, pour kante expérience ak l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est business spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes ou garçons. Des pour nan business ou vle fè business, nous invitons à écouter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, Ça c'est business spam. C'est seule émission kapedo kwape la misère. Bonjour, bonsoir à tous les amis, téléspectateurs, auditeurs de Ça c'est business spam. Ça c'est business spam. Gens que nous tous nous connaissons, c'est une émission qui est présentée chaque lundi de 6h à 7h sur Radio Télé Guinée qui permet que les entrepreneurs aient un espace pour parler de eux, aient un espace pour vendre tête, aient un espace tout pour éduquer. Parce que ça, c'est Business Spam qui est un produit de OCAP, Observatoire Citoyen Cap Fouillé Jégadé, qui fait effectivement pour que nous fassions promotion, entrepreneuriat et vendre des modèles avec jeunes. Je dis en là, quand la deuxième émission, de Ça c'est business spam, nous avons l'occasion pour que nous parler avec trois portoricaines femmes. Et nous choisissons trois femmes, c'est parce que, je nous connais, le 8 mars, c'est Journée mondiale de la femme. Et nous décidons au niveau de l'émission, ça, 52e émission, ça, pour que nous soyons capables d'honorer, mettre les femmes devant. Donc, avec trois femmes, ça, nous allons parler d'un sujet très spécial, comme d'habitude, le rôle de la femme entrepreneur ou bien des femmes entrepreneurs dans l'économie haïtienne. Donc, c'est la raison ça qui fait que, à droite, nous avons Géraldine et ensuite et Karine. Et à gauche, nous avons Coralie, qui sont trois femmes entrepreneurs. Yo, chaque dans le domaine par yo, yo pour aller apprécier les femmes entrepreneurs qui s'allient et qui s'allient représenter. Mais avant d'aller plus, si l'émission est possible, avant d'aller plus loin, c'est grâce à sponsor. Yo. Là, pour remercier Odepent et Radio Télé Guinée, bien sûr, qui permettre que nous sommes capables là après-midi pour que nous parler avec deux modèles d'entrepreneurs, des femmes entrepreneurs que la société nous n'est pas le plus souvent pas connaît ou pas capable de valoriser. Donc nous pourrons regarder avec deux, trois mesdames ça yo, selon ça a fait comment yo booster l'économie. Mais avant nous parler avec mesdames yo, il y a deux, trois informations que nous avons partagées. Nous avons félicité et remercier Paul Bénédicte Paul qui était un texte que l'écrit qui montrait que femmes yo yo vraiment important dans renforcement et ça aurait l'économie sociale et solidaire et il y a deux structures que il était arrivé faire enquête et contexte sur lui côté que il montrait que femmes yo yo représenté au niveau de microfinancement en 2007 76% de en point qui fait au niveau de microfinancement. Ça veut dire que dans tout crédit que ba en 2007 dans le secteur les microfinancement qui c'est un modèle de économie sociale et solidaire, femmes ont été représentées en 2007, 76% de monde qui prêtait COB. Et en 2011, il passait à 74%. Donc, ça veut dire que, selon le texte, que je m'invite un peu à lire, femmes ont gagné des compétences, ont gagné des bagages naturels qui font que sont plus stables, sont plus faciles pour comprendre ça avec eux. Donc, nous allons regarder ça avec trois femmes entrepreneurs là, qui ont chacun un domaine par eux. On a commencé avec Karine, qui est une grosse femme qui a gagné spécialité, qui est immobilier, etc. Karine, c'est un plaisir pour nous. Parlez un petit peu de vous-même, qui est souillé avant que vous venez PDG de Complexe Tropical, mais avant, qui souhaitez qu'on fait avant, qui compétence vous réellement comme professionnel? Bon, bonsoir, je salue tous les téléspectateurs et ceux qui sont dans la radio et tout, de Télé Guinée. Et moi, merci nous parce que nous te recevons nous ici là, nous même nous trois femmes. Et ça me t'a dit de moi-même, c'est que je suis un monde qui est oui, travailleuse. Et de manière générale, je ne jamais peu et investi, pas jamais peu. Et l'homme dit investi, nous pas parler seulement de quoi, mais parler de moi-même, de énergie, de tout ça que moi-même me représenter dans la vie. Et je ne jamais peu foncer.
Et mais nous sommes qui fait en Haïti, même fait un pile temps dans vie moi comme d'habitude aux États-Unis. Et qui était pas moi en entraînement et m'a dit que extraordinaire parce que c'est là vraiment que moi apprendre que pas gagner que pas qu'à faire en tant que femme. Et bon, ça t'a aidé tout le fait que moi j'étais faite en famille qui est de 8 et tandis que j'étais précédée par 6 garçons. Nous sommes 6 frères et une sœur. Et à travers eux, ce n'est pas déjà un bail qui était facile. Nous avons vécu dans un cas où des grands piles garçons. Et moi, j'étais toujours connu dans la famille comme garçon raté, comme 7e petit garçon, papa, et avec maman. Alors, et depuis le ça, je crois que la lutte a commencé depuis tant d'enfance. Côté que pour y avoir tant de moi, pour y avoir. Comme tu as joué n'importe qui ça dans la famille, il faut que tu aies goûté pour lui. Et c'est dans le goût de ça que vraiment, et Coq Bataille est né à travers ça. Et l'homme entré en Haïti, je viens de mettre toute connaissance que je viens d'apprendre aux États-Unis. Et je viens de mettre ça, je viens de que la femme n'a pas de limite. Moi-même, je considère que moi n'ai pas de limite de rien. Pas gagné que au monde quel que soit monde en fait devant moi j'ai assez d'intelligence m'a refait m'a copié et m'a amélioré et c'est ça qui t'est venu fort moi en Haïti parce que Haïti c'est pas un pays facile pour femme et où m'attendez que femme yo vénérer femme qui respecter rôle yo et c'est moi ça me toujours gagne un pile problème avec lui ça y aurait les rôles en femme. Parce que le regarder bien, pas grand-chose, pas fait dans le foyer. Et tout foyer dépend de lui, il est sous épaule. Et en même temps, très souvent, il est écrasé, il ne pas prendre au sérieux, il ne pas de valeur pour le gagner. Et son bain que moi, lutter pour lui, lutter pour que mon tandem, lutter pour le respecter. Et je ne vais pas trop de temps parce que je connais bien de l'autre grande dame qui va parler. Pour l'introduction, la présentation qui est très touchante. Je connais si Géraldine, c'est même bataille ça a gagné dans la vie pâle. Parce que là, dans toute sorte de là, c'est que la société machiste que nous avons en Haïti, les femmes pas facile d'émerger. Donc, Géraldine, est-ce que c'est pareil pour nous ou l'autre histoire qui est un peu différente de. Oui, histoire maintenant. Bon, avant tout, je salue tout le monde qui est sur le panel, hein? Karine. Et madame Coralie. Donc m'a salué tous les spectateurs qui ont suivi l'émission là tout et m'a salué toutes femmes qui ont suivi l'émission et toutes femmes qui ont fait bon bagage en Haïti. Et ils sont pas différents de Karine et c'est presque même bagage sauf que moi-même moi c'est dernier petite dans famille et que gâté. En même temps tout moi j'ai une responsabilité pour me faire la différence. Moi j'ai une responsabilité pour moi un modèle parce que si premier enfant et deuxième na troisième n'a pas qu'à faire. Donc une responsabilité sa maman toujours garder dernier tout. Ça la porter dans cala comment ba la ba différent comment et environnement ba lier. Même gon l'autre avantage encore et moi toujours un bon encadrement et dans famille dans environnement et depuis petit m'ka dit donc ça vient m'en plus courage, même courage que Karine, tu as parlé, hein, et même courage ça que je viens de gagner pour m'avancer, pour me pousser, pour m'oser, pour m'inventer. Donc, tout ça fait partie de l'entrepreneuriat, surtout en Haïti, qui est un pays qui n'est pas facile pour les femmes. Et moi, je dis toujours, toutes les amies, toutes les familles, j'ai des désavantages, je suis petite. Donc, depuis que je parle, je dis, oh, cher Géraldine, on a rendez-vous avec Madame Scown. Donc, je dis à toutes les familles, et je n'ai pas besoin de peur. Et continuer à foncer, quoi dans la tête pour y avancer. Je vous rappelle tous les amis auditeurs qui peut-être fait brancher l'émission. Ça c'est BizPam. C'est la 52e émission et je dis à nous faire focus sur la femme. Parce que, encore, je vous rappelle, 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. Et pendant moi, ça, nous avons essayé vraiment de mettre la femme devant. Et dans l'émission, ça, nous avons rappelé ça tout. Nous parlons plusieurs types d'entrepreneuriat. Nous parlons de l'entrepreneuriat scolaire, nous parlons de l'entrepreneuriat social, plusieurs types. Plusieurs formes d'entrepreneuriat. Mais là, on a parlé de femmes entrepreneurs qui veulent. Nous avons Coralie, qui est un ingénieur industriel. Oui. Coralie, question pour me donner un peu
plus direct peut-être par rapport à 2000 amis. Okay. Génie industriel, son métier, on a dit, métier masculin, garçon. Bah, on est, même j'ai parlé tout de informatique. Mais est-ce que c'est ça? Ou même comme on voit, comme ingénieur industriel, bon, comme femme, etc. Comme on... Depuis quelques temps, j'ai un pile fille dans le domaine. Là, et j'ai étudié ça à Saint-Domingue. Mm-hmm. Et on était pas mal de filles. Et okay. Dans les cours, donc m'a dit que effectivement il y a un peu de progrès en ce sens. Bon, on a parlé de Saint-Domingue côté étudiant, oui, mais pour Haïti, oui. Bah, on est. Et d'après ça, moi, un programme Kiskeya tout, parce que il y a ce programme et à Kiskeya aussi, il y a pas mal de femmes quand même. Ok, oui. Mais parlez-nous un petit peu en plus de ou même comme oui. Professionnellement qui sont oui. Ingénieurs industriels, oui. Comme femme entrepreneur, ça veut dire pour selon expérience. Oui. Bon, et me fait quelques années m'a dirigé en entreprise en ligne de production que tu me t'ai gagné 80 employés à peu près et moi j'ai une fois expérience côté que moi réalisé que c'est capacitation très souvent et formation qui manquait dans milieu et dans certains milieux et dans certaines entreprises qui fait que yo pas ca progresser, yo pas ca performer. Et du coup, moi, j'ai développé un intérêt pour tout ce qui est entraînement, tu vois, tout ce qui est capacitation, développement de connaissances, parce que moi, ouais, effet, moi, ouais, utilité li. Et particulièrement, moi, font l'autre expérience aussi avec filles, côté que moi, ouais, solidarité féminine, surtout dans le milieu industriel, côté m'tayéan. Si c'est pas de fille qui t'est corrime, qui t'est appuyé, qui t'est prend l'autre moins bien exécuté toute bagaille, fait moi en série de bagaille, me pas ta performer. Donc moi dis toutes mesdames, restez solidaires entre nous, là nous dans travail, vous comprenez, c'est et l'union fait la force. Donc moi inviter toutes filles solidaires. Donc quoi, est-ce que selon vous-même, bon, on débat qu'a fait des auditeurs bon, Haïti particulièrement pour moi m'a fait réflexion ça. Est-ce qu'elle ne pas mérité changer un mode économique, un modèle économique qui est approprié avec nous, culture, etc. Parce qu'en plus, fois, nous importer des bagages en termes de modèle économique qui ne sont pas adaptés. Mais où se parle ça là et les chiffres, vous montrez la question association. Et nous connaissons les coopératives, tout ce qu'on a en Haïti qui est très développé, oui, oui. Même si oui. Pas un chiffre qui fait sur eux. Oui, oui. Mais question, est-ce que vraiment un modèle collaboratif qui t'a oui. Vraiment renforcé en Haïti t'a permis que les femmes mieux puissent émerger? Oui, moi. Plus sport pour sortir, pour oui. Capable. Économie sociale, là, c'est un bagage qui est très intéressant pour les pays en voie de développement. Et moi, j'ai lu justement le rapport ça que vous mentionnez. Hein, mm-hmm. Et je trouvais que c'était très intéressant, j'ai que j'ai exposé et donné sous microfinance, là, côté que c'est filles vraiment qui expanser bagay sa nan pays an par sérieux yo par comportement yo par capacité pour yo regrouper yo justement et effectivement moi pensais que on a ça dans le sang les femmes haïtiennes parce que sou gade positionnement fi nan marché du travail là OK nous vraiment pas compétitive OK donc son marché qui déjà difficile en termes de taux de chômage pour filles comme pour garçons, mm-hmm. Mais la femme est encore moins compétitive, la femme haïtienne, de tout temps. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc, son fille qui, tout le temps, depuis li dans le monde, est obligée à apprendre qui j'en pour le débrouiller pour contre lui, qui j'en pour le grand commerce, qui j'en. Donc, on a ça dans le sang et moi, invité tout acteur yo et encadrer femme haïtienne en plus, c'est dans ce sens-là. Merci, Coralie. Karine. Je suppose que vous avez passé 2000 amis là, vous avez plus d'expérience. Karine, bon, soit dire là, et Coralie, c'est que les plus dans le domaine formel là. Mm-hmm. Ok? Dans le domaine informel là, économie informelle là, femme, encore, je te répète là tout à l'heure, femme, vraiment, c'est eux-mêmes qui ont plus moyens. Économie, c'est eux-mêmes qui portent. Exemple, dans le rapport là, dans l'article là, ils ont expliqué que dans la zone rurale, 40% de ménages, de comme si famille c'est femme qui a dirigé même si femme yo pas trop dans agriculture là mais comment est-ce que yo fait commerce d'intrants etc vraiment yo représenter en pile bagaille mais dans secteur informel là par contre est-ce que vous avez une idée sur ça bon pas de problème ça moi même t'as qu'à dire si nous t'apprends peut-être rappeler nous ça qui passé dernièrement là avec Machak Boulia ou après c'est plus femme qui a plein qui a crié que perdu
tant. Et bien, c'est justement ça. Donc, pas un problème, ça. Là, on a parlé de rapport. Bon, c'est dommage que je n'aime pas de lire rapport ça particulièrement, mais et me font une expérience très simple, mais encourager n'importe qui monde garder dehors. On est sorti dehors dans la rue. Pas qu'un garçon qui a bon. Ou bien deux ou trois et mon chien qui a fait ou bien qui marche en fresco. Mais généralement, on a dit 99% de monde qui est dehors dans le marché informel, c'est femme. C'est femme. Et si ce n'est pas eux-mêmes, si les gens ne peuvent pas manger, le loyer n'est pas payé. C'est aussi simple que ça. Moi-même, c'est comme ça que je perçois. C'est-à-dire que et nous, femmes, nous pas bâillons peut-être nous assez de valeur. Parce que même là, je connais, passé, alors tout à l'heure, je souris, je suis allé à parler. Et Géraldine, c'est une petite copine que moi-même en pile. Parce que c'est une femme que je respecte en pile. Parce que je connais Géraldine jeune. Et je connais qui pression le fait. Tu es toujours jeune, je sais. Mais je connais beaucoup plus jeune. Et je suis pas encore lui. Et son monde, chaque jour, je l'applaudis. Parce que je trouvais que son femme qui a en pile mérite. Et pour lui, je côté les jours d'hier là. Et c'est pas un petit bagage. Et je fais en pile métier dans la vie. Moi, je vends, je suis à la fois marchand, je suis une entreprise qui était les 12 tropicales. Côté que je suis dans le marché, je suis vend des produits comestibles. Et 12 tropicales, c'est-à-dire que c'est bon pour que nous habituons à manger l'un des jeunes. Et c'est là que je suis vraiment évolué. C'est là que je suis chita à côté de moi. Et puis, je travaille dans pas ingénieur, mais c'est ingénieuse. J'aurais aimé sous chantier. Parce que l'homme monté sous chantier, ou senti que grand ingénieur sous chantier, grand monde sous chantier, qui a occupé la salle pour le faire. Et très souvent dans la vie, je fais la boulangerie. Tout. Et je suis dans la boulangerie qui regarde moi et dit, mais que, madame, pourquoi pas acheter ton côté? Et puis, quittez-nous par là avec Mario. Et le problème que nous-mêmes, femmes, nous rencontrons, moi-même, je connais ça dans la vie, c'est que très souvent, on est obligé de venir plus garçon que garçon. Pour faire respecter. Les respecter, les concerner, les blesser, la vie de jouer. La vie de jouer parce que les décider que ça, c'est le rôle de femme. Pour le penser, pour le bercer, pour le chouchouter. Mais là, c'est bagaille sérieux qu'à régler, je voulais faire face à un garçon. Ça m'apprend dans la vie, mais tant que je fais en haïtien, c'est que une femme intelligente, quand qui gens pour lui jouer, jouette là. Parce que son jouette lié. Sur leur besoin, résultat, pas de danger, on voit un garçon devant. Mais au fil du temps, ils viennent réaliser la force là qui côté lié. Ils viennent réaliser le départ eux-mêmes. Donc, pas vraiment. C'est une opportunité vraiment gourmet très longtemps parce que action répond pour moi. Je n'ai pas besoin de défendre la tête. Je change de papa, me dit bonjour. Et si vous pour forcer les gens, que ou qui les gens qu'on ait force, si vous avez pour convaincre les gens, ça veut dire pas qu'on ait force. Et c'est une chose que je apprends dans la vie et que je propage en pile. Chaque fois que je parle, on a parlé, je suis professionnel, je me dis, mais ce que vous dites, pas que là. Mais continuez, puis devant, on va priver un jour. Une petite question, Je suis bien content parce qu'on fait expérience de, informel à formel. Parce que là, nous, tout garder ça là rapidement. Dans l'informel, femme, il n'y a pas de trop de barrières. Une question de quota, toujours parler 30%, bon, il faut forcer. Par moment, j'ai une femme pour faire 30%. Dans le formel, dans les institutions. Mais informel, là, toute machine aujourd'hui, dans le commerce, c'est machine des femmes qui font. Mais comment ce qu'a dit une femme qui a regardé là, des jeunes qui l'école, pour ne pas obliger à aller dans l'informel là. Puis vraiment, font ça. Comment expliquez-nous ce qu'on fait de l'informel à formel? De l'informel à formel, et je peux dire que je suis sorti vraiment de formel. Alors, moi, c'est le contraire. Je suis de formel. Côté que je travaille dans une institution, organisation internationale.
et que moi-même avec Marie nous t'ai ouvert un business qui était justement douce tropicale. Et puis moi réalisé que m'a fait plus comme dans informel là que dans formel là. Gain moins barrière. Gain moins barrière, moins de contraintes et moins de limitations. Parce que le moins dans informel là, me sorti, me connais que m'a travail pour Karine. Je ne travaille pas pour le monde, je travaille pour Karine. Et c'est ça Karine fait, que Karine a montré la caille, qui a fait petit li manger. Et bon Dieu, vraiment béni, parce que non seulement que moi, je suis une femme voyante, mais j'ai six petites filles qui voyant. Ok. Qui a suivi moi et qui, dans le domaine payo, chaque dans le domaine payo, mais qui sont des femmes total capital. Et je me dis, c'est grâce à l'éducation que je recevoir, parce que dans la famille, moi, toutes les femmes qui étaient devant comme exemple, ce sont des femmes extraordinaires qui ont lutté pour vie, qui ont lutté dans tout ça, ils ont fait tout ça, ils ont réussi dans vie, c'est ton lutte. Ok, mais ça me devait dire, je comprends, oui, mais quand même, vous devez formaliser des activités qu'on fait. Parce que l'informel, là, amis auditeurs, téléspectateurs, ça gagne la donne, c'est que c'est vrai, il y a moins de barrières, mais il est plus fragile, tout, il n'est pas durable. Mais quand même, vous arrivez à rendre durable des activités qu'on fait. Donc, c'est là que vous avez. C'est vrai que pour entrer sur le marché, il y a des barrières. Mais après, il faut stabiliser. Sinon, quand vous avez quitté le business sur le marché, c'est comme mettre une structure sur place. Oui. Comment vous avez fait sur ça? Bon, en tant que femme avec tout le complexe qui gagne. Il y a une institution dans le pays qui est aidée à ce niveau-là. Et moi, j'ai changé, j'ai Mme Marie-Laurence et la SEG qui était. Il y a une femme voyant qui était ouvrie en pile porte pour femmes entrepreneurs et qui était encouragée, qui encadrée. Et moi, j'ai joué en pile encadrement et au niveau bancaire. C'est-à-dire que l'un était besoin d'ouvrir business et pour nous approfondir que c'est en construction que moi, j'ai connu dans l'immobilier. Nous avons joué en pile support. Nous avons des structures qui ont été mises en place que nous avons capable de puiser là-dedans. Et je ne vais pas les citer, toi, parce que je ne vais pas juste plugger l'autre monde. Mais je pense que il y a un pile encadrement qui existait en Haïti, qu'il suffit que les femmes joignent les moyens pour rentrer là-dedans. Et ça, c'est dans l'éducation. Parce que tout autant que je ne connais pas, il n'y a pas de côté pour le viser. Et je pense que c'est ça qui manquait en pile dans le pays, hein, c'est que je ne prends pas les femmes en considération assez. Pour encourager elle-même à rentrer dans le business. Là. Très souvent, ils ont essayé plutôt de craser. Je me suis dit, essayé de rentrer dans la politique. À un certain moment, j'étais candidat pour la mairie de Pétionville. Et j'étais candidat devant une autre femme voyante qui était les 10 parents. Eh bien, la campagne que j'ai menée, hein, et j'ai menée en campagne de proximité, même j'ai appris une belle leçon de l'autre femme voyante en face moi. C'est que tu as utilisé les moyens que le pays a offrir pour te foncer. Je ne suis pas d'accord avec les moyens. Jusqu'où je ne suis pas d'accord avec lui. Mais la leçon que tu as appris, c'est une belle leçon. C'est que quoi dans la tête, pas quoi dans le monde. Pas écouter ça, il a dit, parce qu'il y a de belles paroles, mais vraiment, pas rien à mener pour. Parce que vous voyez qui ne peut pas retirer dans la main. Vous voyez qui ne peut pas l'ouvrir. La porte, pas l'ouvrir pas. Porte c'est généralement c'est nous qui foncez. Et je connais, parce que je vis Géraldine, je connais qui porte que lui-même était obligé de foncer tout. Pendant que vous faites point sur Géraldine, avant que nous prenions pause, parce que l'heure pose après ce arrivé, Géraldine, vous entendez bien, amis, bons amis, de longue date, paraît-il. Donc. Alors, je dois vous dire que. Moi ma Karine nous pas voir chaque jour. Moi quand moi 8 mois. On gagne au moins 8 mois nous pas. Que nous pas voir. OK. Donc Karine connaît pas comme moi en pile et moi pas qu'à dire grandir dans elle mais une bonne partie de ma vie jusqu'à nos jours Karine connaît lui. Et moi elle font tirer le sous informel là rapidement de besoin dire. On a fait ça dans pause là après pause là mais peut-être me pose une question ça. Karine montrer surtout l'intervention lui. Barrage et barricade que joignent et ces garçons campés pour X raisons bloqués. Question à poser là, c'est l'inverse peut-être. Qui intérêt un garçon a gagné pour joindre une femme correcte campée bon côté?
que ce soit dans l'entreprise, comme employé, que ce soit comme madame, que ce soit comme ami, parce que nous gagnons, supposé, des bagages qui. C'est seulement nous-mêmes comme femmes qui gagnent. Les garçons gagnent en compétence pas. Qui était on est à gagner pour valoriser aux femmes qui jambent? Le plus souvent, garçon et bon, comme on a parlé de garçon ici, ils ont peur. C'est la peur. Ils connaissent qui courage que nous gagnons. Ils connaissent qui ça nous fait. Ils connaissent. C'est ça fait ils peur. Ils connaissent. Bah peur. Donc ils connaissent que si moi n'a place où qui ça me fait et qui côté me arrivé et qui plafond me capté. Donc ils peur. Donc peur ça fait que au lieu que les ouvriers. Ils bavent les bon place là, ils bavent les pousser ou ils bavent les qu'on avance. Heureusement pour moi. Moi, je suis mariée avec un Australien et je bah, vis en pile. Et lui-même, c'était le contraire. Il était poussé. Il était voulu que pour me devant. Il était voulu que parler de madame ni, plus que lui-même. Donc, mais dans d'autres foyers ou bien et dans d'autres compagnies, que moi, ouais, ça, moi, ouais, que c'est peur. Donc, il y a peur, courage, femme, il y a peur et bah, nous, place nous dans la société, il y a peur pour ne pas dépasser. Merci Géraldine. Zami auditeurs, téléspectateurs, je pense que c'est très intéressant. Par contre, pour nous, mais pour moi, c'est très intéressant l'échange que nous avons fait là. Je ne connais pas que mesdames et messieurs, je ne sais pas ça veut dire. Mais vraiment, nous avons participé dans l'émission. Pour nous participer, il y a deux numéros. 34-95-22-32 et le deuxième numéro 52-47-43-11. Nous avons vu les textes, nous sommes capables de voir WhatsApp pour que nous soyons capables de poser mesdames et messieurs questions. Nous avons retourné après la pause pour nous capables de continuer à échanger parce que Jean Lier, et pas seulement Haïti, ça a été composé. Et l'autre pays, il fait des avancées. Et nous voyons Géraldine là, il dit que le mariage est un étranger, qui a l'autre éducation. Au contraire, au lieu pour le temps, barrer, la mettre le vent, la pousser, parce qu'il connaît la potentialité. C'est seulement si un jour, quand son haïtien, nous avons peut-être différent. T'as bon, hein, Géraldine? Ma fond, si juste encore calade rapide, c'est pas tout garçon haïtien qui m'est bloqué, non? Ah, oui, mais ça. Parce que mon mari qui est solide. Ah, on content ça. Bon, nous pas généraliser. Nous pas généraliser, car, mais grand pire. Zami auditeurs, nous avons une petite pause après quelques minutes. Nous avons retourné sur le plateau. Merci. Ça, c'est business spam, boss. Ça, c'est business spam, ni. Ça, c'est business spam. Observatoire citoyen qui a fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita palis, pour kante expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs. Ak l'État, entrepreneur qui n'a pays, si la yo qui n'a diaspora, citoyen, femme, kou garçon. De pou nan business ou vle fè business, nous invitons à écouter et garder sur Radio Téléguinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission qui a fait de quoi faire la misère. Ça est femme, ça est à mon Yeah, pepe, mais business spam, boss. Ça, c'est business spam, ni. Ça, c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça, c'est business spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita palis, pour kante expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça, c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs. Zami auditeurs, téléspectateurs et Radio Téléguinée, fan émission, nous retournons sur le plateau hein, avec émission spéciale. Ça, nous gagnons trois femmes, trois vraiment potoriques femmes que nous avons essayé de garder. Quelle femme est capable de jouer et qui rôle que joue en plus dans l'économie. Hein. Mais avant que nous continuions à causer ça avec vous, pas oublier que nous avons rappelé nous deux téléphones que nous avons texte. Premier, c'est 34-95-22-32. Deuxièmement, c'est 42-47-43-11. Et avant de continuer pour aller plus loin, dans l'échange que nous avons fait avec toi, mesdames, nous avons une rubrique spéciale que Schiller pourra présenter pour nous, que nous habituons avec déjà. Et Schiller, c'est un plaisir pour nous, qui sort pour nous aujourd'hui. Nous directement, mais deux grands points qui ont dominé l'actualité économique là pour entrepreneurs. Et premier point, c'est directement le gouvernement qui m'a demandé avec toute entreprise, tout entrepreneur pour libérer produits en goudre. Ça qui fait gros débat, ça qui fait gros discussion dans la mi-temps, association patronale et dans la population en tout.
Et deuxième point, c'est directement, il y a un bulletin d'information que BEA a sorti qui parle d'incitation, mais qui parle d'inciter ça ou l'investissement, qui a permettre avec toute banque commerciale, faciliter, mais financer activité dans le domaine zone franche, dans le domaine agricole et immobilier. C'est vraiment important pour l'économie parce que nous connaissons l'économie pas qu'à marcher sans investissement. C'est pour ça que nous demandons avec tout le monde qui a un projet viable dans le domaine ça, tout le monde qui a évolué là-dedans, pas négliger, écrire nous sur numéro ça qui c'est 34 95 22 32 42 47 43 11, nous reprenons pour vous 34 95 22 32 42 47 43 11 pour capable jeune plus information sur ça. Pas oublier écrire nous, nous t'aimer informer et bon chiffre et tout, toute décision qu'a prend et qui tout comportement de gagner pour capable bénéficier de financement ça. Merci, c'était Capsule économique avec Chiller cher enfant présentateur là. Nous capable serviteur vous. Merci beaucoup. Là, nous t'a parlé avec Géraldine, nous t'ai posé une question tout à l'heure pour nous demander lui et si un garçon t'a comprendre qui rôle femme capable représenter pour lui, qui ça t'a dit. Mais Géraldine, tu as l'autre point que tu as besoin de faire par rapport au secteur informel, là, permettre que tu sois capable de continuer sur le secteur informel. Là. Oui, mais tu voulais dire que je pense que nous, tout le monde qui a des problèmes qui gagne dans le secteur, ça, et nous avons parlé de tout, mais tu as aimé que tu encadres plus. Donc, pour mesdames, ça, tu as grandi, tu n'as pas arrêté tout le temps dans le marché, en bas soleil, dans la boue, dans la fatra. Nous connaissons déjà la situation dans la ville. Là. Donc, il faut que le microcrédit ait l'autre traitement. Il faut que la banque qui mesdames sur le traitement puis avance plus parce que j'en nous connais déjà en pile dans mesdames ça yo et c'est pour tout mi-temps puis mesdames ça yo yo gain plusieurs petits monde sous compte yo en pile nan tout pas gain mari en pile nan ou gain mari pas travaille. Donc point de vrai faire c'est nous voulons voir mesdames ça yo avancer pousser. Donc dans ce cas yo besoin paquet encadrement. Justement moi mes points ça qu'on fait à Géraldine parce que réflexion que m'a fait juste avant que m'vienne faire mission là avec nous, c'est que nous comprenons, nous rendons compte que vraiment, mesdames, c'est important. Mais au nom du secteur qui aurait le secteur informel, qui vraiment gampille insécurité. Et nous prenons l'exemple de mesdames qui sont victimes en bas de la ville. Là. C'est sûr que l'espace n'a pas de grande assurance. C'est des éléments de formalisation que nous avons parlé là. Si tu as grande assurance, tu as moins de problèmes. Il y a des gens qui perdent du passeport, il y a des gens qui perdent du corps qui ont été vendu la veille. Donc, c'est des éléments qui montrent que les gens ne sont pas formalisés, pas organisés pour que vous sécurisez la tête. Donc, je vois ce qui est très important. Mais quand il y a là, avec nous, qui sont femmes qui sont formées, etc., comment on peut peut-être éduquer, avoir des informations pour que vous sortiez de ce secteur à côté, qui est informel, pour plus ou moins chaque jour venir formaliser la tête. D'où la question que me pose Karine tout à l'heure, comment tu fais ça pour arriver de. Informel là parce qu'il y a un avantage pour les vins formels parce que le cas là et business a marché. Mesdames, ça va pas qu'à faire. Ok, donc c'est ça tes questions. Karine, vous avez une question? Ah non, c'est pas que yo pas qu'à faire, c'est juste encore une fois yo pas gagné connaissance et connaissance vient avec éducation. Bon, éducation informelle comme moun ka gagné qui c'est expérience la vie qui baoule. Et ça me ka dit que me grand pile la donne. Mais il y a une information, une formation que j'ai gagnée, qui est sortie de l'école, qui est sortie de foyer, et c'est-à-dire que je me levais avec maman, ma papa, à travailler ensemble, et je mets tête ensemble pour arriver à un côté, pour être capable de construire ça, de construire pour nous aujourd'hui, là, que nous capables de bénéficier de lui. Mais encore une fois, si je n'ai pas d'éducation formelle, là, qui c'est l'école, là, qui c'est côté que m'ka aller pour m'apprendre qui gens pour monter mon business chance pas moi t'ai gagné on moi gagné grâce à Dieu toujours on mari qui très dans très entrepreneur et qui toute la vie lui-même il travaille il était quelque connaissance formelle là mais elle t'est précédé surtout par un bande de femmes voyant et m'ka tout. C'est que tout le monde là, si je nomme non, belle mémoire, il a compris pour qui ça depuis 24 ans marié, pour qui ça, il y a des façons que je pense qui tout à fait propre à lui. C'est exemple ça que je vois devant moi, c'est exemple maman Pam qui fait ville à travail,
qui fait ville à investir et qui fait ville à lutter en tant que femme dans le pays, côté que pour te arriver, pour te gagner un cop, pour te recevoir un chèque, il faut te gagner un monde, gouvernement, il faut te gagner un parrain, il faut te gagner un ministre qui t'a baou, ou bien il faut te faire des bagailles, qu'on pas très fier de yo, pour te arriver, pour te arriver, joindre contact ça yo. Et m'a dit que je suis très fier de dire qu'on femme qui aurait les Lucienne Tibul Menos, c'est une femme totale capitale, qui, si moi, ça m'y est aujourd'hui, si moi arrivé côté m'y est aujourd'hui, que m'y ait connaissance, que m'y ait ce que ça y aurait les drive pour m'arriver, c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui montre que pas peu en rien, faire mes yeux foncer. Merci Karine. Et n'a pas continué à questionner parce que nous gagnons. Et Coralie, qui sont ingénieurs industriels, je pense que Coralie a un mot parle pour dire dans la question débat formel informel. Oui, oui. Coralie. Et moi, appuyé Mme Fonbouin à 100% dans la salle de que son problème d'accès à l'information, son problème d'éducation. Ok, même moi-même, qui justement a une éducation, a une formation, accès à l'information, ce n'est pas un mess à faire. Ok, donc allez voir pour Mounsa lui-même qui, bon, bah, il arrive tellement loin que lui vient au point que mon n'a pas même pas même une pièce d'identité même pour commencer, vous comprenez? Donc vraiment un gros travail pour qui pour faire avec des programmes de démocratisation de l'information, de vulgarisation de l'information carrément, tu vois. Et son problème connaissance là, son problème que moi-même moins vive li et c'est mission, c'est dans sa mie ces jours-ci, c'est by capacitation à travers le développement et des connaissances, tu vois, à travers l'entraînement. Ça, c'est un bagage qui est vraiment important. Coralie, une question que vous avez aux auditeurs, aux spectateurs, vous posez là. OK. Parce que tu as une émission dernièrement, côté que tu as parlé de l'intégration Haïti dans CARICOM. Et deux problèmes qui t'ont posé vraiment, qui étaient clairs pour tout le monde, c'est que nous avons un problème de production, mais nous avons un problème aussi tout de qualité. Ou même comme ingénieur industriel. Qui problème que un ingénieur industriel li abordé dans métier ça qui ca permettre que un monde li jeune se dit d'aller à formaliser tête li production que la fait yo rentrer dans cadre nos formalisation qui problème comme ça que nous toucher en tant qu'ingénieur industriel. Oui, bon, qualité a son bagage qui clé dans toute production, faut produire avec qualité, mais qui j'en pour joindre qualité ça, bon, qualité ça vini avec qualité et moun kap travay ansanm avè yo ki question éducation et pour marcher ou produire à tout, est-ce que li konn reconnaître qualité, est-ce que exige qualité, parce que des fois l'on entreprise pa exporter par exemple, comprenne li a travay avec le marché haïtien, des fois public haïtien pa vraiment exige qualité que ta dwe exige et qualité an vini tout pa qui font que l'entreprise la gagne, qui intérêt l'entreprise la gagne pour faire certains efforts dans produire avec qualité. Mais qualité a son paquet, son baril que m'koué la donne et entreprise moyen, c'est ça moi fait pour me démarquer tête moi, m'offrir qualité dans la formation que m'a baille, c'est ça que me garantit, c'est ça qui démarque de l'autre monde. Ça arrive souvent dans l'échange que nous avons fait là, nous parlons pile de l'éducation, donc problème qu'il y a à l'éducation. Comment dans l'éducation que, en fait, cursus éducation qui a bâillé le ministère de l'Éducation nationale, comment que nous sommes capables, comme Simdadou, de faire des bagages qui sont nouveaux pour que les filles gagnent un côté qualité dans la formation. Parce qu'il y a un problème de qualité dans la formation. Oui, clair, il y a un problème de qualité, un problème de connexion entre ça, marché en besoin vraiment, et la formation qui a bâillé, le programme de formation. Des fois, il y a obsolète par rapport à besoin qui gagnent dans marché. Mais avant tout, c'est un dialogue qui peut faire pour connaître quels sont les besoins, quelles sont les choses à pousser, quels sont les programmes à monter. Mais c'est un problème qui gagne dans tout pays du tiers monde en général, parce que on t'a parlé avec CEO, ancien CEO Digicel, c'est un Africain et son monde que m'apprécie en pile. Et il t'a expliqué que lui-même, là, il finit d'étudier, il étudie Ghana, il fait ingénieur civil. Il ne savait pas construire une maison.
Tu vois, donc, programme, vraiment, des fois, programme pas atterri par rapport à la réalité et marché du travail. Là, je pense que sur ce point, il faut nous travailler plus sur connecter besoin marché du travail là et programme de formation. Comme n'a parlé là plus souvent, mais c'est campé sous question amis, hein, parce qu'il parlait de yon politique discriminatoire en faveur femmes, la question éducation que n'a parlé là. Yo. Et... Donc, est-ce que son mari est une grande envisagée? Je pense que ça juste c'est un pile fort qui fait pour petites filles entrer à l'école. Retea sur l'autre question. Et retea tout. Bon, oui, retea. Mais c'est surtout à quel point que yon compétitive, les arrivé sur le marché en tout, qui problème là. Ok, même penser sur ce point et effort à faire pour petit fils garçon aller à l'école. Quand il y a l'air où il veut l'école là, c'est qui qualité information, quelle formation que recevoir, qui problème là. Mais sur au point de vue égalité de quantité filles avec quantité garçons qui allaient à l'école, qu'on y a, ben c'est un bel et progrès qui fait en sens ça. Ok, ok. Et Karine Gonzan, mi qui posait une question, c'est à vous directement. Il dit, est-ce que vous pensez que le secteur informel là a aidé le pays? Mais c'est le secteur informel là même qui paye à sous dol. C'est pas que s'il a aidé, s'il pas existé. OK, tu me formule les questions pour lui. Est-ce que nous capables nous devons rester dans l'informel? Non, pas du tout. OK. Non. Moi pas du tout d'accord que nous rester dans l'informel là. Et je crois que encore une fois, on a retourné sur le même bagage là, c'est éducation. Pour qui ça? Parce que il a parlé de plusieurs types d'éducation. Ou bien éducation la caille qui commençait. L'éducation pas seulement arrête l'école. Éducation c'est la caille qui commençait. Éducation c'est apprendre si mon nan valoriser tête li, valoriser ça que l'a fait, travail que l'a fait, même le fait que lui pas l'école là. Pour lui connaître que lui pas l'école là, il a une raison pour qu'il s'aille pas l'école là, il a un but, il a un rêve. Mais la situation est telle que même rêver, si vous n'avez pas rêvé, nous pas rêvé encore. Et à partir du moment où une société qui pas rêvé, pour sortir d'un trou que lié, ou pas qu'un coteau pour aller, ou abriter dans même informel ça. Et c'est ça que m'a essayé tout le temps. J'ai employé 3-4 personnes qui travaillent pour moi, c'est femmes. Okay. Mais toutes mesdames, c'est chaque jour. M'a fait une formation avec eux pour m'expliquer yo faut que yo gain fierté de ça y a faire ou font bagage quel que soit faire si c'est balé ou balé balé le bien balé avec fierté balé parce que ou connaît que balé a camé non parce que moi-même l'homme t'ai fait commencer travail t'ai travaillé aux États-Unis j'ai 13 ans quitté Haïti à l'âge de 10 ans à 13 ans premier travail moi c'était balé m'ta ballon petite boutique dans le quartier la caille moi mais comme je t'ai apprendre la caille moi première éducation que je recevoir soit font bagage fait le bien fait pour que you ca reconnaître ou que distinguer de l'autre dans environnement sou capable distinguer faire ou distinguer ou même de l'autre yo ou voir que ou arriver plus loin et effectivement on commencer dans balé avant un mois on t'a servi café on t'a fait sandwich on t'a fait en pile bagage. C'est-à-dire que c'est commencement, c'est encadrement la caille. Et c'est ça pour nous commencer à travailler. Nous avons des choses parallèles pour nous faire. Oui, il faut travailler avec les femmes qui, dans le marché, travaillent là. Mais il faut travailler avec lui justement pour nous aider à former petites lui. Et on va qui sorti dans l'éducation, dans le système d'éducation, nous, c'est l'éducation civile. Civique, pardon. Civique là qui montre les droits et les devoirs d'un citoyen. C'est-à-dire que les femmes ont des devoirs pâles, mais tout citoyen a un devoir de respecter l'autre là. La liberté, votre liberté termine là où l'autre commence. Une question, vous avez répondu là, mais m'a posé Géraldine. Ou avez femme ajouté. Et question éducation, et dans le mesdames et tout qui sont informels pour regrouper. Pour regrouper et pour camper solidarité. Et nous-mêmes, mesdames qui sont sur le plateau, avec tant d'autres qui sont dans le pays, comment nous organisons tout pour nous aider. Parce que quand pile, mesdames qui sont informées, là, pas qu'on est, le fait de faire une patate et que vous calmez dans la banque, vous faites prêt et que le business vous grandit dans 5 ans, vous faites entreprise sport,
ou quand même dans 10 ans ou vinn gagne usine pa ou. Donc il pas connaît ça. Il connaît le faire patate là, c'était chargé DGI, ouais chargé, mais c'est pas ça du tout. Donc mesdames qui dans position pas nous qui connaît bagarre là l'autre gens, faut que nous organiser nous pour nous ca aider mesdames ça yo qui dans informel là comprendre réalité et comment yo ca avancer. Question Karine répondit déjà, m'a répond m'a pose une question hein, comment traiter femme dans entreprise nous que n'a dirigé. Bon moi même quoi que est-ce grand pile femme dans c'est ça me dit même. Moi, comme j'ai plus d'une trentaine d'employés, je suis 5 garçons. Okay. Et je me sens fière. Et je suis encore plus fière si un jour que je cherche un chauffeur, je suis une fille. Si un jour que, une autre fois, je me tourne là, je suis derrière la caméra, j'ai plusieurs filles. Tout. Donc, et, ma, on est, depuis que je suis là, je remarque ça. Mm-hmm. Ça veut dire que je suis tellement fière que et, dans l'environnement femme, mais des femmes, parce que je connais l'homme, je suis une fille, une femme, je connais mes 10 ou 15 autres. Bay de 5 parce que mesdames yo gen sous tête yo et travaille en pile. Donc la caille moi, m'ba comme gen 5 garçons sur une trentaine d'employés. Bien content et point qu'on fait là, m'bon garantie Géraldine, un souhait monsieur là derrière. Monsieur yo? Derrière monsieur, on pas quatre bonnes femmes, d'ailleurs son femme qui saute maquiller nous là et il va faire ça, son ba à côté que le fait. C'est vraiment montage, etc. Alors, monsieur Finra, là, c'est vous-même qui mettez les retouches, etc. Et il faut me guider à net. C'est bon. Donc, okay. Je voulais voir devant tout. Je voulais voir devant la prochaine fois. Il y a fini. Géraldine, c'est l'heure. Ah, oui. Et Kouali, c'est l'heure pour l'émission qui est finie. Oh, OK. Et en tant que jeune femme entrepreneur, si tu as un conseil pour les femmes, qui ça t'a fait? Foncez, foncez pas peur. OK, ou envie d'atteindre. Ou gen des objectifs, ou envie améliorer en situation, ou remarquer une opportunité, ou identifier un besoin, foncer. C'est ça mon conseil. OK. Pas peur, pas peur frapper tête ou parce que c'est dans erreur que ou améliorer. Ou faire erreur, ou apprendre erreur là et pour foncer pipi devant. Mais il faut que nous encadrions. Mais et Karine, ce n'est pas de question que je vais poser en termes de mots de conclusion. Vraiment, nous parlons femmes, c'est femmes qui ont l'honneur. Mais son garçon qui a fait une mission, nous sommes d'accord avec lui. Besoin d'éducation, tout. Besoin de comprendre que nous sommes importants. Donc, nous apprenons que, comme aîné, hein, parmi toutes mesdames, qui conseille ta bail garçon haïtien? Garçon général, par rapport à rôle qu'une femme qui a joué, que ce soit en tant que sœur, madame, employée, collègue de travail. Qui conseille à bail monsieur? M'a commencé bail garçon et suggestion pour commencer avec femme là. Femme qui levé yo. Femme qui fait éducation yo. Femme qui mette yo sous terre. Femme ça changer l'elle t'a fait petite, il fait toute petite yo, yo sorti même côté. So égal yo tout égal. Si garçon, parce que très souvent, c'est maman, malgré les souffrir de ça, mais les perpétuer. Parce que très souvent, vous regardez dans le cas où gagne maman a bail petit garçon plus manger. La balle viande, à côté que petit femme là, la bas prend ni pour servir garçon. La bas prend ni depuis de tant de jeunesse là. Que c'est lui qui l'a pour servir mesdames, pour servir messieurs yo, pour le bas messieurs manger avant et c'est yo gain meilleur mon soir me changer et son mec me souffrir en pile de lit. Alors gros, je me pas dit ça, mais me souffrir en pile de lit parce que moi même grandissant, même m'a grandi, me changer que gain des bagages que moi manger kounien. C'est parce que l'homme t'a grandi dans caille dans foyer 8 timoun là. Hein? Et ben c'est pied poule là que me déjoigne. Parce que des femmes, c'est pas parce que me batte contre vous bouche moi. C'est parce que c'était femme yo. Comme nous t'es trois femmes dans Kaila, maman avec deux petites filles yo, eh ben c'est nous qui t'es mangé en dernier. C'est nous qui t'es responsable pour nous t'es faire manger, pour nous t'es mettre le sous table. Tandis que m'a regardé journée jodi a, moi rencontré des garçons en vie aux États-Unis qui connent faire lessive, qui connent passer, puis bien passer, qui connent faire manger, puis bien passer. Pour qui ça? Parce que tu es une femme qui te dit, il n'y a pas gagné, on n'a pas qu'à faire non plus. Lui, m'a parlé avec un garçon que je voulais vraiment emmerder. Moi, je dis, vous voulez impressionner à la couche en petite. Si vous voulez vraiment impressionner, fais-moi un café en petite.
Fais-moi comprendre la douleur qu'on femme gagne, le par exemple, chaque mois, il fait une menstruation. Si pour un garçon, tu as subi la douleur, ça, il t'a mouru ce premier jour. Il t'a mouru ce premier jour. Alors, premier bagage que je t'ai conseillé à garçon, c'est que changer maman nous. So, femme qui est avec nous, hein, femme qui est devant nous, hein, c'est porter maman nous lié. J'en nous vénérer maman nous. Si je connais garçon haïtien et garçon de tous côtés, vénérer maman. Yo. Changer que femme qui est devant là, que c'est madame qui a envie de faire violence sous lui, que c'est petit qui a envie de faire violence sous lui, que c'est un collègue de travail que ou bien on a envie de faire violence, ou bien on a envie de mettre le long coin pour dire qu'il n'y a pas rien. Changer que c'est famille maman liée. C'est même Jacques maman. Alors tout respect que tu as gagné pour maman, c'est lui pour balayer tout. Et à ce moment-là, on voit que l'on reconnaît la valeur, il est là pour servir, l'a tué pour, l'a fait tout ça capable pour vous. Parce que c'est comme ça, nous-mêmes, femmes, nous là pour aider tout le monde. Commencez par garçon, mais nous pas là pour nous servir garçon. Le nous servons garçon, son plaisir lié pour nous servir garçon. C'est pas une obligation. Parce que même Jean ou elle travaille, même Jean lit même femme, là elle travaille. Même Jean pote cop dans Kaila, même Jean lit même tout, il pote cop dans Kaila. Et très souvent, il pote plus cop pas son. Merci. Merci Karine, vraiment, mot de conclusion long. J'ai dit, on picoute pour nous. Ma pico même pas c'est Karine qui est plus fort. C'est que vous me dites. Mais quand même conclu pour nous. Et moi je suis très courte et bon moi même moi son exemple qui est différent et moi qui a dit que l'homme fait qu'a commencé entreprise moi malgré mari me gain pas, il pas voulait que m'aller peut-être qui ça parce que tu besoin en backup parce que c'est moi qui a fait avancer. Me de réaliser femme indépendante, femme fait pas tout. Me battre dans compétition d'aller pas dans même secteur du tout. Et je dis, je vais commencer dans la vente de Mamie Durie. Et quand j'ai une entreprise, je vais desservir plus de 2000 personnes par jour. Donc, je dis, mesdames, croyez en tête, battez bête, foncez. Merci, merci, Géraldine. Mes amis, discours Karine est tellement. Il m'a quitté pour wow. Moi. Waouh! Je ne vais pas continuer à chercher Fleur pour honorer Karine parce que c'est maman. Pas seulement Karine, toute famille on a pour honorer. On symbole, hein, Karine. Comme maman, comme femme. Merci. Géraldine, comme maman, comme femme. Merci. Ka. Comme soeur, comme cousine. Comme maman, comme femme, comme soeur, comme cousine, comme etc. Toute femme qui a regardé l'émission, ça, c'est une émission très spéciale. Fleur Sao, libou nous tout. Connaît que nous aimons nous. Tout garçon qui dans Télé-Guinée, ça c'est Bispam, ils respectent nous. Et nous espérons que nous sommes dignes de honneur. De respect que nous-mêmes nous témoignons. Donc, merci d'être débranché. À la prochaine pour l'autre émission très spéciale comme d'habitude. Bye bye. Ça, c'est Business Spam, boss. Ça, c'est Business Spam, ni. Ça, c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé-Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça, c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita palis, pour kante expérience ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça, c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneur ak l'État, entrepreneur qui dans le pays.